ma pa pote nan menm sens avèk kolèg nou yo sou tab la la. Goup feminist yo denansi yon kampany mediatik sou apre sou internet tou. Nou eseye jwenn justice pou menm sa yo. E pi nou te denonse le fèk ke te gen yon manèv asi manipulatris ton pou konmè dan pou fèk, fèk defile an fave dan yon jambon, etc. E pi son kèsyon ki kler ke nan tout peyi ap gen gwo difikultè pou de moun vin devan la justice pou pote plek kont violans seksuel. La rambè de la ke se de mineur et tout sa, ke se de mineur ki yon situasyon ekonomik et sosyal ke dezavantajè par rapport a monsye ki agrese yo a, nou pa la bijan ka atan aske se yo moun ki vin devan pou yo pale. Donk, oui, fok se te yon anket ki te fet pou la part de la justis, ki te proteje vi privé, ki ta pe man yo, ki pou te fet. Oui, nou ta di son decepsyon an jujman sa, son lor yon vot ke nou vyen par rapport an jujman sa, men an menm tan nou pa sezi. Nou pa sezi paske nou konen ki sa situasyon la justisye ki an Haiti. Ma praple nou ke pou l'histoire, pou la mémoire, ke jist apre chute di diktature an 1986, fom haïtienne te fon march, yon pipo march nan l'histoire genye an epok, le 3 avril 1986, e parmi de moun ke fom pou te genye, tout fom sa yo, se te wii fin a l'idée de que meilleure condition de vie, ou te vle plus droit pou fom, plus protection pou fom, mais surtout, yon nan question ki mwen pote, sou nan débat public, se te question injustice, impunité, le fait que les gens qui font contre le monde en population, que ce soit femme, que ce soit un garçon, l'ont mené ça, ou pas qu'à mener ça, soit pas qu'à mener la justice, mais si on mène la justice, ou pas gagner un jugement qui correspond à sa passée. Donc oui, ça sont l'autre exemple que le faillite système judiciaire là, que nécessité profonde pour réforme système judiciaire là. Et donc nous venons à courir tout collègue, nous, tout l'autre instance de défense doit moun, tout l'autre instance qui défend doit ti moun qui victime abus sexuel, pour baye sa yo pa refè anko. Et puis bon, yon dernier bagay di sou sa, gen des commentaires qui te fait, soit en personne ou soit dans les réseaux sociaux, qui t'a défend jugement que la justice a essayé de prendre. Et qui est nous content que c'est FIFA qui nous démentit mon ça. Et puis nous regrette que son instance en institution internationale qui est obligée de démentir la justice haïtienne. Et puis nous espérons que ça ne va pas pour faire comme ça. Merci. Au vice qui c'est l'organisation des victimes du choléra en Haïti. La notre victime, nous avons salué la presse jeudi qui est présent là ensemble avec vous. 2010, Haïti frappé avec une catastrophe, 12 janvier, et tremblement d'été passé, tué environ 300 000 personnes. La même année, il y a des soldats ministériels qui baillent les Haïtiens en choléra, et qui violaient un paquet de femmes, un paquet de timoun, ils virent d'où ils allaient, ils quittaient environ 2000 timoun dans le pays sans maman, qui sans papa. Côté aimant là-dedans, maman yo mouri, yo est à vivre dans le pays à ce moment sans papa. Donc je dis à présence organisation qui a bataille pour défendre victimes de choléra, pour défendre les gens, soldats, ministères, des victimes dans le pays. Donc nous avons mis la population au courant. Et le débat ça a été fait là, le petit peuple là. La petite pays, parce que il y a un pile de monde qui a souffert sans maman, sans papa, parce que soldat ministère en cette maman yo, il fait petite à maman yo vient mourir et soldat yo pas occupé ti moun sa yo. Donc je vous dis à c'est important pour présence pour là environ 2000 ti moun là dans le pays sans papa côté soldat sa yo aller yo pas occupé yo. Environ 800 000 personnes victimes de choléra, plus que 30 000 personnes mourent avec choléra. Donc, présence organisation là, je vous dis, c'est pour parler, et parce que nous faisons recherche, marché dans le pays, nous voyons comment les gens ont mal vécu pour que l'État ne pas jamais dit rien. Et nous avons profité de l'occasion pour nous dire, et ça a été environ 15 jours depuis que le premier ministre, nous
qui a félicité l'ONU pour le bon travail qu'il fait dans le pays. Parce que l'ONU était environ 2000 personnes dans le pays sans papa. Donc, le Premier ministre a félicité peut-être ça. Il quitte environ 800 000 personnes qui sont victimes de choléra, plus de 30 000 personnes mourir. Le Premier ministre a félicité l'ONU pour le bon travail qu'il fait dans le pays pour ça. Donc, je dis, nous disons, victimes, ils sont là et ils ont à bataille des conseils avec nous. KDH, PAPDA et toute notre organisation qui met les mains ensemble avec nous pour une justice avec préparation. Dans le nom de KDH, qui est un collectif d'avocats spécialisés dans l'étude stratégique de Guamoun, nous présentons maintenant, nous parlons de M. Junel Feujan, avocat au barreau de Port-au-Prince et directeur des affaires juridiques au KDH. Le KDH, c'est un collectif d'avocats qui est spécialisé, dans la Nouvelle, qui va être une commission pour défendre les droits des gens qui sont dans une situation de vulnérabilité. Et Jean et collègues moi ont sorti précédemment, nous remarquons qu'en 2004, l'ONU, force d'occupation, a entré en Haïti, soi-disant pour mettre stabilité. Or, nous remarquons et par la suite, et qui ça qui. Dans quelle situation le pays a eu, il y a plus de stabilité. Donc ça veut dire au lieu de stabilité, donc la force d'occupation, l'hypothèse pour nous, instabilité politique, instabilité sur tout point. Et deuxièmement, vous remarquez que c'est à partir de force d'occupation justement que choléra a entré dans le pays. Mais en plus de choléra, côté que plus de 30 000 morts et mourir et puis 800 autres étaient infectés de maladies, mais en plus de ça. Même Castor Bleu Salut, ils ont violé mesdames, ils ont couché avec mesdames, ils ont fait que l'ensemble de 10 000 qui vont dire, regardez son papa. Donc, nous avons déjà une situation précaire. Donc, départ de Dadi, ministre, vient mettre encore dans une situation plus difficile dans la mesure où ils viennent pour 10 000 sous bras qui sont papa, alors que. Il n'y a pas de personne qui peut longer mes barrières. L'État, pratiquement, nous connaît, il est impuissant, il est pratiquement, et il pas même tenu compte de mon catégorie. Mon donc, dans ce sens-là, nous-mêmes, quand les SDH, nous ne pouvons pas être différents face à Timoun Sayo, pour des droits de violer, face à Mesdames Sayo, pour des droits de violer, justement. Donc, il y a un ensemble d'actions qui étaient déjà initiées par devant le tribunal pour que le droit de Timoun Sayo soit capable de reconnaître, mais nous connaissons en 2014. Et Nations Unies, et en fait, section conduite et discipline dans Nations Unies, ministre précisément, tu fait des tests ADN, justement pour que Timoun s'appuie d'établir une relation de causalité entre Timoun et Castor Bleu. Mais comme dit, que malgré les tests qui ont fait, malgré que les victimes ont toujours continué à demander à ce que les résultats des tests baillent, mais malheureusement, l'ONU responsable n'a pas jamais baillé les résultats des tests. Ça vient empêcher justement nous-mêmes avocats pour que nous continuions à aller à la justice pour que nous demandions, c'est-à-dire pour nous capables de réclamer pension alimentaire et garde d'enfants pour Timoun Sayo et parallèlement fait que maman Timoun Sayo même nous a dit droit qui violait capable de réparer. Donc c'est une situation qui demandait que toute société, même gens, nous-mêmes organisations qui défendent le droit, PAPDA et d'autres différentes organisations qu'il a avec nous, sont capables de ramasser le dossier ça pour que. Finalement, pour que toute société soit capable de mettre les mains pour l'ONU, finalement, assumer responsabilité par rapport, d'une part, de ces choléras, et ensuite, Timoun Sayo qui, sans papa, l'a gagné pour à l'école, alors que Haïti ratifié la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui, justement, par ensemble de protection à Timoun, et Timoun, automatiquement, en fait, il a le droit à non, il a le droit pour protéger, non, il a le droit pour reconnaître par papa, par maman. Il y a droit justement pour jouir et pour vivre avec papa et maman pour que lui joue une éducation que nous avons bali. Mais malheureusement, nous avons une situation côté que c'est nous continuer à forcer, à créer forcer dans la société, les Nations Unies, malheureusement, qui au lieu de mettre la paix, mais c'est division qu'elle vient créer, c'est instabilité qu'elle vient créer dans la société. Donc nous ne pouvons pas arrêter indifférent pour ne pas dénoncer l'action sérieuse. Et d'une part, mais d'autre part, montrer pour toute démarche. Qui après le fait justement, qui nous-mêmes comme avocats avons fait pour que nous finissions par dire que Timoun Sayo a une reconnaissance légale et que nous avons une pension alimentaire et que, la loi Bayo, justement, non seulement la loi haïtienne, mais la convention internationale justement, qui protège le droit de Timoun, et également fait que maman Timoun Sayo aurait
yo rétablir un endroit qui fionne justement. Donc c'est ça démarche là à travers la conférence débat que nous allons faire aujourd'hui hein, pour nous relancer et pour nous mettre en discussion de ces choléra et ensuite les problématiques du salon qui n'arrive pas à nous. Effectivement, la conférence débat que nous avons fait aujourd'hui, non seulement c'est pour saluer et qu'aucun chien de bataille que l'organisation femme a mené contre viol, contre violence sous femme, contre violence sous timoun. Et nous avons sous table une représentante de l'organisation femme qui est SOFAP qui a participé à la conférence débat. Mais la conférence débat, nous saluons la date 25 novembre, qui est une date extrêmement importante, mais il y a entre tout. Dans le cadre conjoncture que nous avons vu. Nous avons vu une conjoncture extrêmement douloureuse, côté que nous avons non seulement gagné une intensification de violence qui a fait contre le peuple haïtien, une intensification de l'utilisation de violence comme instrument politique, hein, et côté que nous avons utilisé conforme comme instrument politique, et en même temps, nous dit que tout paraît ça possible, non seulement parce que nous gagnons au plus haut niveau de l'État. Si nous songeons par exemple le discours au monde de Michel-Joseph Martelly, qui a fait incitation au viol, ce sont les actes passés Mirabal, côté carrément président de la République, qui a fait incitation au viol. Donc nous avons un climat général, côté que il y a toute une augmentation de violence en général sous population, hein, violence contre les secteurs populaires et violence sous forme. Donc il y a une bagaille que nous allons laisser sous les pile, c'est lutter contre la banalisation violente. Violent pour nous-mêmes, c'est une arme de destruction massive. Parce que là, on a fait des viols, même gens, ça a fait jeudi dans le quartier populaire. Même gens, moi, que tout massacre, 9 massacres qui fait entre 2018 et jeudi, de toujours gagner une composante importante de viol massif, c'est un meilleur outil, une meilleure arme pour détruire une population. Donc, dans ce sens, ça, bataille contre violent, bataille contre violence contre femme, non seulement il est important lui-même, mais il est tout participer dans la bataille que le peuple haïtien fait pour dire que le peuple haïtien fait je dis, pour empêcher l'installation du dictature féroce. Et je dis ouais, que il chante que le discours dominant a fait ses banaliser violent, a fait oublier la question violente, et même dit que toute viol ça a été fait, et toute ambiance de l'aggravation de la question violente, faut que nous pas été impunis. Il faut qu'on punisse le coupable et il faut qu'on joigne tout un ensemble de mécanismes institutionnels qui permettent que la question ça suspende et que la question ça pas suspende à gagner dans la société. Et pour ça faire, il faut que non seulement tout secteur de la société ait conscience de l'importance centrale de la bataille contre la question ça, mais en plus, il faut que la population mobilise non seulement les victimes directes, non seulement les familles victimes directes, mais toute population haïtienne doit comprendre la nécessité de lever campé pour le bagage. Et c'est à travers qu'aucune chaîne de mobilisation ça que nous sommes capables de transformer les questions et nous sommes capables vraiment de libérer de poids terrible question violente gagnée sur la société aujourd'hui, avec toutes les conséquences dramatiques que l'on a. Il y a un bilan que nous sommes capables de faire de question ministère, c'est que le passage ministère en Haïti vient aggraver la question impunité. Il vient aggraver la culture d'impunité. Comment ça va permettre, par exemple, que l'ONU fasse des enquêtes sur Martissan, sur le quartier Martissan, pour montrer qui gens que les soldats syriens ont fait des viols systématiques contre femmes, contre Timoun. Il y a des témoignages bouleversants. Nous avons regardé des Timoun de 12 ans qui dit qu'ils ont eu des relations sexuelles violentes avec plus que 50 casques bleus. Imaginez un Timoun de 12 ans. Donc, ces débats sont extrêmement graves et qui très souvent étaient sous silence. Je dis à nous dire, nous-mêmes, organisations haïtiennes, nous-mêmes, peuple haïtien, nous ne pouvons pas permettre que la question soit sous silence. Il faut que coupables identifiés, il faut que nous jouions réparation à justice. Par rapport à la question, ça, justement, dit que contre les naturellement, ils sont toujours là, mais il y a une façon pour que nous surmontions contre ça aussi, développer. C'est exactement ça qu'on a fait là, c'est développer une synergie entre différentes organisations qui ont défendu le monde pour que nous mettions tête ensemble pour que nous fassions faisceau pour combattre l'impunité qui est dans le pays, naturellement. Et si moi-même, comme CalZH, CalZH comme institution, comme politique d'avocat, même seulement d'agrément dans le bataille, peut-être que là, moi, c'est fait que si RNDDH et d'autres, BAI par exemple, et d'autres organisations,
défense doit nous-mêmes nous impliquer ensemble pour développer une synergie. Je suis sûr que nous finissons par faire impact, nous finissons par impacter le comportement des acteurs pour que nous allions dans le sens pour respecter les droits des gens que nous prenons dans différentes organisations, notamment dans le SDH. Par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure sur la problématique des ordonnances qui rendent au niveau pas des bouquets, on a dit que le problème justice là, donc encore une fois, nous avons nécessité pour que mais vraiment une révolution qui fait, mal parler des réformes, pour que nous finissions par au pays d'abord, on l'état pas fonctionner, pour être capable d'une justice qui est vraiment indépendant, un système judiciaire qui est indépendant, qui l'aide saisie dans le dossier, mais côté que justice là, la plus représentée effectivement par une femme aux yeux bandés. Mais c'est pour un monde qui l'a regardé, qui est-ce qui vient devant, qui a regardé couleur, qui a des moyens économiques pour être capable de rendre justice. Donc, malheureusement, c'est dans la situation ça nous est. Nous n'avons pas un système qui est vraiment indépendant, qui l'a tranché nos dossiers, qui n'a pas tenu compte de qui est-ce qui vient devant. Donc, malheureusement, nous avons pile bataille pour faire encore pour que nous continuions, pour nous finir par un changement, ça en a. Nous souhaitons un changement dans toute société, à côté que, notamment pour mon système judiciaire qui est fort et qui va combattre contre l'impunité, combattre contre le déni de justice et pour défendre toute violation droit de droit femme qui est victime de viol et droit en général qui fait dans la société. Très bien. Et question pour nous aller dans le même sens avec les questions qu'on fait à nous. Sous même problème, ça a été l'année du Président de la République. Et que nous essayons que les drôles, l'État haïtien lui-même, nous avons là dans le sujet ça. Est-ce que les ça nous-mêmes, ensemble organisation ça, qui déjà nous lutte pour joindre les personnes qui victimes, pas d'adouer des réactions directes comme ça, ou bien si nous gagnons qui j'ai pas dit la vie. Deuxièmement, pendant que nous avons essayé de toucher les questions de monde qui victimes pas d'adouer en Haïti, je dis à nous connaître, nous avons un vaste de petits monde qui est victime tout d'abord et eux-mêmes parce que dans la rue, il y en a qui dorment dans la rue, qui parlent de la caillou, qui subit de toutes causes que nous connaissons tout d'abord. Il y a une petite monde qui est victime tout. Est-ce que même mouvement ça y a pas tout profit de toucher ou bien est-ce que nous avons un travail spécifique que nous avons préparé envers eux-mêmes qui sont des victimes? Deuxième aspect, c'est d'abord, c'est l'État qui part sur les responsabilités, qui fait que si nous dans la rue, si nous n'avons pas l'école, nous avons accès à la santé et aux malades. Donc ça veut dire que nous continuons la bataille pour que nous avons l'autre État, pour l'État qui est capable de poser des bases pour que nous avons un État démocratique. Que vraiment nous avons un état des lois, pour que les lois nous ne pas respecter. C'est-à-dire que nous parlons d'un système judiciaire qui est fort, qui va ramasser toutes les revendications victimes, qui sont victimes de viol, et qui nous sommes dans la rue, qui est privé de tout, absolument. Donc nous pensons que c'est une bataille qui peut faire pour que nous continuions justement à aller dans le sens pour droit pour nous respecter, pour à travers l'état des lois qui vont instaurer en Haïti. Mais par rapport à problème justice qui vient, par rapport à cette question là nous en bas, donc nous rendons compte que FIFA, à travers l'enquête qu'elle menait, nous rendons compte qu'il y a des évidences pour que l'agresseur, présumé agresseur, n'est pas capable lui-même de nier des fonctions. Alors que parallèlement, en Haïti, on a besoin que la justice, je l'ai dit qu'il n'est pas une victime, donc il dit son dossier classé. Mais comme si ces victimes ont vini jeune juge là, sans que le juge lui-même va chercher victime ça côté hors de nos sociétés côté que vous mettez des sécurité mais exagéré en fait. Donc imaginez un monde qui est victime de mon agresseur mais qui est si puissant alors que vous parlez de tout au côté plein. Donc déjà vous imaginez qui pression que vous avez bien sous. Donc au lieu de juge là chercher victime pour que lui a fait travail que la loi a l'obligation que la loi a pour le faire au lieu de faire ça mais il préférait chita pour dire ouais mais pas une victime donc avec une légèreté donc nous pensons que c'est de là pour nous condamner et naturellement il y a des actions qu'a fait pour que Dadi dossier a continué et pourquoi pas pour possibilité pour que le commissaire gouvernement ait ajouté appel par exemple de ordonnance à qui en laisse droit au ministère du gouvernement. Donc s'il estime que l'instruction est bâclée, donc pour que lui fait ce que le droit. Donc nous avons travaillé sur ça et adressé des requêtes à commissaire du gouvernement pour montrer la nécessité pour qu'il y ait dans le sens
pour que lui et je dis appel si délai appel là pas déjà prévu parce que la loi va bah, un délai pour que vous faites ça. Donc c'est ça en guise de réponse par rapport à la question de préoccupation qui dit. Madame, ce qui question, c'est toujours question d'Anne Jean. Question d'Anne Jean,